poursuit sa route. Le poids moyen ivoirien s'est adjugé la ceinture IBA intercontinentale. Il a battu en effet l'Argentin Adriel Nicolas Abel au point à l'unanimité des juges ce vendredi nuit au Palais des Sports d'Utrechtville. C'est la deuxième ceinture internationale après celle de champion d'Afrique glanée en avril 2019. La cogne, il l'a dans le sang. Spectaculaire, percutant, précis, Youssouf Doumbia fait partie de cette génération d'athlètes qui donne un nouveau visage au sport ivoirien et en particulier à la boxe. Du débrouillard dans les rues de Paris, Youssouf est devenu depuis l'un des fleurons de la boxe en Côte d'Ivoire. Sur les rings, le jeune dealer d'Abobo est intraitable, précis dans ses gestes. Offensif. Professionnel. Son plus grand triomphe, c'était ce 18 décembre 2020 au Palais des Sports d'Utrechtville, lors du choc des Titans face à l'Argentin Abel Nicolas Adriel. Avec ce sacre, Youss Laboboulé peut désormais voir plus grand. Lui qui a fait du titre mondial son objectif ultime.